gars m'a donné un témoignage. And the girl gave me a testimony. Je ne sais pas, je la voyais ici. I don't know, she was here. Elle était à l'hôpital avec sa mère. She was in the hospital with her mother. Et elle est allée interpréter pour une femme. And she went to interpret for a lady. Et cette femme, and that lady, on l'avait forcée de mettre morte. They forced her to give birth. Et quand elle a mis au monde par césarienne, and she gave birth by C-section. Elle a eu des infections dans tout le corps. She had infections in all the body. Infection à l'utérus. Infection in the uterus. Infection ici à la poitrine. Here on the chest. Son corps entier était malade. Her entire body was sick. Elle souffrait, elle pleurait. She was crying in pain. Et Alegria, and Alegria, qui parlait avec elle, was talking to her. Lui a dit, she told her, j'ai mon papa. I have my father. Si ce papa la parle, if that father just speaks, tu seras guéri. You'll be healed. Et la dame l'a dit, that lady said, appelle. Call him. Alegria m'a appelé. Alegria called me. J'étais là. I was there in the office. Papa. Papa. J'ai dit quoi? I said what? Il y a une femme ici. There's a lady here. Elle me parlait en anglais. She was talking to me in English. J'interprète pour elle, mais tu interprètes, mais tu parles en anglais encore. I interpret for her. How do you interpret and you still speak English? Il dit, mais elle souffre, papa. Si tu la regardes, elle souffre. Says she's in pain, really. If you see her, she's really in pain. Je lui ai parlé de toi. I told her about you. Je lui ai dit que ton Dieu peut la guérir. I told her your God can heal her. Papa, parle à ton Dieu pour Papa, elle. Speak to your God for her. J'ai dit, est-ce qu'elle peut parler? Dis oui. Can she speak as she said est-ce yes. qu'elle m'écoute? Oui. Does she hear me? Elle yes. parle quelle langue? What language does she speak? Dit français ou lingala? Je French dis, or lingala? Voilà. I said, put on the phone. On m'a donné cette femme. They put that on the phone. J'ai dit, c'est quoi son nom? They said, what's her name? She gave me the name. Je l'ai appelée par son nom. I called by the name. Comment ça va? They said, how's going? Elle gémissait. She was really waiting. Elle pleurait. She's crying. Elle souffrait. She was in pain. Et moi, mon cœur a saigné. My heart bled. J'ai pensé à Rachel. I thought about Rachel. J'ai pensé à Ruth. I thought about Ruth. J'ai dit, mon Dieu. I said, my God. Fais quelque chose pour cette femme. Do something for this lady. Comment elle souffre comme ça? I see in big pain. Je lui ai dit, sœur, arrête d'abord de pleurer. I told her, sister, stop crying. Est-ce que tu crois que Jésus peut faire quelque chose? Do you believe Jesus can do something? Elle m'a dit, oui, papa, je crois. She said, yes, papa, I believe. Je veux prier pour toi, I tu seras guéri. I pray for you, gonna be healed. J'ai dit, Seigneur. I said, Lord. Je te demande. I'm asking you de guérir cette femme. To heal this lady. Enlève les infections dans son corps. Remove infections from her body. Enlève la maladie, Seigneur. Remove the sickness, oh Lord. Fais-la arrêter de pleurer. Make her stop crying. Tu es Dieu. You God. Fais quelque chose, Seigneur. Do something, Lord. Elle souffre. She's in pain. Fais quelque chose. Do something. Que ce pleurs-là puisse s'arrêter. May this crying stop. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Et j'ai dit à la sœur, I told that sister, Dieu t'a guéri. God healed you. Ça va partir. Comment tu peux souffrir comme ça? It's going. How can you be in such pain? Comment tu peux pleurer comme ça? How can you c'est cry parti. Like croyez comme ça que c'est believe, parti. Believe like that that it's gone. Praise les médecins sont venus. The doctors came. Les médecins l'ont pris. The doctors took her. L'ont amené dans les scanners. They took her in the scanner. Pour faire des examens. To run tests. Pour voir comment ils vont traiter les infections. To see how they're gonna take care of those infections. Ils ont examiné tous les corps. They check all the body. Plus aucune infection. No more infection. Toutes les infections sont parties. All the infections were gone. Amen. Amen. Jéhovah des miracles. Jehovah of miracles. Le Dieu qui fait des miracles. God who performs miracles. Il n'est pas un Dieu mort. He's not a dead God. Je le sens dans tout mon cœur. I feel him in all my body. Je sens qu'il est capable I de tout faire. I feel he's able to do anything. On ne peut pas le limiter. We cannot limit him. No, no, no. Comment on peut le limiter? How can we limit him? No, no, no. C'est impossible de le limiter. It's impossible to limit him. Impossible. Impossible. J'ai dit impossible. I say impossible. Jésus fera des choses. Jesus will do things. Dont les gens ne peuvent pas attendre. That people cannot expect. Je crois de tout mon cœur. I believe that with all my heart. Et je le témoigne déjà. I testify it already. Amen. Sœur Léa, je suis en train de sourire. Je suis très heureux parce que il y a des bruits. Il y a quelque chose qui va se passer, Sœur Charlotte. Et c'est quoi l'événement? En fait, le pasteur Atapi Singamba qui organise 3 grandes journées de campagne ici à Charlotte, Caroline du Nord. Et c'est pour la première fois le pasteur Atapi Singamba dans une campagne d'évangélisation. Et vous êtes-vous sûr que le Seigneur Jésus-Christ sera en nous?
Oh, bien sûr, je sais de quoi c'est Dieu capable. Je suis témoin du ministère de Passion à Tapis Kiyamba et je sais que Dieu est obligé de descendre parce que c'est son serviteur. C'est son serviteur. Oh, j'aime ça. J'aime vraiment cette réponse. Sœur Léa, le thème est « Où passeras-tu l'éternité ?» Vous êtes jeune, il y a des jeunes là-bas qui pensent qu'ils vont vivre longtemps, qui pensent qu'ils ne peuvent pas mourir. Quel message que vous pouvez passer à ces jeunes-là avec le thème « Où passeras-tu l'éternité ?» En fait, le thème « Où passeras-tu l'éternité ?» c'est pour attirer l'attention de tout le monde à prendre conscience de la vie qui vient après cette vie ici terrestre. Ouais. Donc, vous savez, on peut mourir d'un moment à l'autre et on ne sait pas qu'est-ce que nous réserve le lendemain. Ouais. Et on doit être sûr qu'on a Dieu déjà à partir de maintenant parce que si par exemple tu meurs dans la drogue, c'est pour sûr que tu rentres en enfer parce que tu n'as pas eu le temps de te répandre. Et cette question n'est pas seulement pour le jeune, comme vous avez dit, c'est pour tout le monde, peu importe ton âge, que tu sois enfant, papa, maman, jeune, que tu aies 10 ans, 13 ans, 14 ans, 30 ans, mon âge, comme ça, n'importe. Sont invités à venir. Tout le monde est invité. Et cette question-là est posée à tout le monde. Ouais. Et la parole de Dieu sera prêchée. Est-ce que les malades seront aussi guéris? Oh, bien sûr. Pour moi, qu'est-ce que vous rassurez que les malades seront guéris? Mon frère, comme je l'ai dit, je suis témoin du ministère du pasteur à Tapis. Ouais, ouais. Et pas simplement témoin du ministère du pasteur à Tapis, mais je sais de quoi ces deux-là sont capables. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a fait des grandes choses. Au travers du ministère du pasteur à Tapis, j'ai vu des femmes qui n'avaient pas d'enfants avoir des enfants. J'ai vu des gens qui étaient malades, qui avaient des cancers, être guéris. Donc, c'est beaucoup de témoignages. C'est beaucoup de témoignages. Donc, si ce Dieu l'a fait hier, il va faire aujourd'hui. Il va faire aussi. Comme il a dit qu'il est le même hier aujourd'hui. Comme il avait fait hier, donc il va faire aujourd'hui. Et chers spectateurs, vous le voyez déjà, notre sœur Léa, elle est sûre d'elle-même. Elle est sûre que le Seigneur Jésus-Christ sera au rendez-vous. Bon, sœur Léa, il y a les gens qui se posent des questions. Est-ce que cet événement, c'est moi pour les gens qui sont aux États-Unis, est-ce que des autres personnes qui sont ailleurs, comme en Afrique, en Europe, peuvent-ils venir? Bien sûr, tout le monde, c'est pas seulement pour ceux qui sont ici aux États-Unis, bien sûr que c'est ici aux États-Unis, mais tout le monde est invité. Que tu sois en Afrique, en Europe, en Océanie, en Australie, ici aux États-Unis, tout le monde est invité, tout le monde, sans exception. Sans exception. Mm-hmm. Wow. Et je crois même que si quelqu'un est dans un autre continent, il peut venir ici aux États-Unis, Dieu va, pour la campagne, Dieu va lui donner le visa. Dieu va lui donner le visa. Waouh. Bon, chers téléspectateurs, si moi j'étais vous, j'allais partir vite à l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour chercher le visa pour les États-Unis. Donc, vous êtes invités, venez voir le Seigneur Jésus en action. Le Seigneur Jésus en train de guérir les malades. Le Seigneur Jésus-Christ en train de sauver les âmes. Venez, vous ne serez pas déçus. Bon, l'adresse est simple, c'est 1817 Central Avenue, Charlotte, Caroline du Nord, 28205. Je répète encore, 1817 Central Avenue, Caroline du Nord, Charlotte, 28205. Bon, sœur Léa, vos mots de la fin à nos chers téléspectateurs. Je vais dire à tout le monde, peu importe là où vous me suivez en ce moment, de venir nombreux à la campagne. Cette campagne n'est pas pour la gloire d'un homme, mais c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit à tout le monde, allez partout le monde et évangélisez. Et le pasteur Adapé Singamba est en train d'accomplir ce que la Bible est en train de dire. Et je voulais dire à tout le monde, même si vous n'êtes pas ici à Charlotte, vous avez un ami qui est ici à Charlotte, parlez-lui de cette information. Dites-lui de venir parce que le Seigneur Jésus-Christ sera là. Certainement, cette campagne-là va l'aider d'une manière ou d'une autre. Donc, invitez tout le monde que vous connaissez ici à Charlotte, même si vous n'êtes pas ici à Charlotte. Et même si vous êtes dans un autre état, invitez tout le monde qui est ici aux États-Unis, Mexique, Canada, donc peu importe les pays des environs, où peuvent avoir la facilité d'avoir les visas. Donc, invitez-les. Jésus-Christ va agir. Merci, sœur Léa. Merci d'être venue sur notre plateau. Et je vous rassure que les Échos de Charlotte sera là. Merci. Et chers téléspectateurs, restez branchés. Nous vous invitons, venez le 6, le 7, le 8 juillet pour une campagne d'évangélisation sur le révérend Tapis Nyamba avec l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Où passeras-tu l'éternité? À l'éternité. Assemblée chrétienne de Charlotte avec le pasteur Atapis Ngiamba organise trois grandes journées d'évangélisation et de prière pour le malade. À dater du 6,
au 8 juillet 2018, vendredi à 18h, samedi et dimanche à 15h. Thème, où passeras-tu ton éternité? Lieu, 18, 17, Central Avenue, Charlotte, North Carolina, à International House. Venons nombreux, car Dieu sera au rendez-vous pour la guérison de malades. Cordial bienvenue à tous. Oui, pasteur, vous voyez même nous-mêmes ici aux écoles de Charles, nous sommes vraiment très contents. C'est un événement qui nous réjouit. Et vous, comment vous sentez? Ben, je me sens très bien, je me sens à merveille. Je suis dans les préparatifs de ces grands événements, la campagne d'évangélisation que nous sommes en train d'organiser ici à Charlotte. Oui, pasteur, comme nous vous avons ici, qu'est-ce que vous rassurez au peuple de Dieu là-bas qui vous suivez? Les peuples de Dieu qui veulent venir, qu'est-ce que vous les rassurez? Je rassure à tout le peuple de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ sera au rendez-vous. Parce que nous sommes dans la grande commission, nous sommes en train d'accomplir ce que la Bible dit dans Marc chapitre 16, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Et quand nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle, le Seigneur Jésus-Christ, il doit être au rendez-vous. Donc, je rassure aux enfants de Dieu que tout le monde qui viendra, il ne sera pas déçu. Il va voir Jésus. Pasteur, c'est pour la première fois. Nous vous connaissons dans des réunions de réveil, mais ça, c'est la première fois en dehors de l'église. Comment sont les préparatifs et comment vous vous mobilisez pour cet événement? Le préparatif pour la campagne, vous savez, ça se passe très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment en train de nous y mettre pour que ça puisse se passer bien. Donc, dans les physiques et dans les spirituels aussi, nous sommes en train vraiment de nous préparer pour que cet événement puisse être une grande réussite, non pas pour la gloire d'un homme, mais toujours pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Oui, pasteur, c'est un thème-là qui nous fait réfléchir. Où passeras-tu l'éternité? Pourquoi où passeras-tu l'éternité? Parce que nous sommes en train de vivre dans un temps où chacun de nous, il doit être conscient de savoir que tout ce que la Bible nous a prédit pour la fin du temps, nous sommes en train de le voir. Nous sommes en train de vivre exactement dans le Matthieu chapitre 24. Nous voyons tout ce que la Bible a dit, les bruits des guerres, les cris de la famine, partout, un pays qui se soulève contre un autre. Nous sommes en train de voir tout ce que la Bible avait prédit s'accomplir. Et après cela, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ doit venir pour prendre son peuple et son épouse pour l'amener là-bas au ciel. Voilà. Maintenant, la question, ça se pose, où est-ce que nous allons passer notre éternité? Parce qu'il y a un enfer à éviter et il y a un ciel à gagner. Voilà. C'est pourquoi nous sommes en train de tenir cette campagne d'évangélisation. C'est pour chercher même cette dernière brebis, cet dernier élu, cet enfant de Dieu qui traîne encore dans les bois de nuit, qui traîne encore dans les péchés, de revenir au Seigneur Jésus-Christ alors qu'il est vraiment, il est temps que nous puissions être conscients que le Seigneur Jésus-Christ va bientôt revenir. Oui, pasteur, nous sentons déjà que ça brûle déjà. Pasteur, nous ne voulons pas vous garder pour longtemps. Quels sont vos mots de la fin? Le mot de la fin, ça serait pour aujourd'hui. Ouais, pour aujourd'hui. Serait que je veux vraiment que tu puisses venir, mon frère et ma soeur. Ouais. Vous tous qui êtes en train de me suivre partout là où vous êtes, j'aimerais vous inviter officiellement de venir à cette grande campagne ou à cet événement qui va avoir lieu ici les 6, les 7 et les 8 juillet 2018. Et ça va se passer dans la grande salle internationale qui est située sur 1817 Central Avenue à Charlotte, Caroline du Nord, 282-05. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous appeler sur 001-704-777-9377. Nous serons là pour répondre à toutes les préoccupations. Mais nous vous invitons vraiment de venir et de prendre place à ces assises. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénira. Même si vous êtes incapable de venir, peut-être que vous vous connaissez avec quelqu'un qui habite Charlotte ou qui habite Canapolis ou Concorde ou les environs de Charlotte ou dans un état ici en Amérique. S'il te plaît, invitez-les qu'ils viennent dans cette campagne que nous allons avoir les 6, les 7 et les 8 juillet 2018. Pasteur, merci. Nous vous souhaitons déjà plein succès. Merci, merci aux Échos de Charlotte. Merci. Nous attendons. Je vous invite aussi aux Échos de Charlotte. Ah ouais. Ne manquez pas ce grand événement. Soyez là avec vos caméras. Nous serons là. Et moi-même déjà, votre humble serviteur, je vous invite. Venez les 6, les 7, le 8 juillet. Vous ne serez pas déçus. Le Seigneur Jésus-Christ sera au rendez-vous.
à nous revoir les 6 et les 7 juillet et le 8 juillet. Merci. Je parle du Jéhovah des miracles. Jéhovah des miracles. Comment je peux pas avoir la joie? I can't have joy. Comment je peux pas avoir la joie? I want to have joy. Appeler les gens pour la campagne. Call people for the campaign. Comment? How? Je parlais avec Becca avant-hier. I spoke with Becca the day before yesterday. Hier la nuit, je l'ai appelé. Yesterday, je parlais avec lui. I spoke with him. Il m'a dit, t'as plus pour ta campagne. Told me, I had a before campaign. Je pressens que tu feras des grandes choses. I feel you will do great things. Tu feras des grandes choses. God will do great things. Il dit, je prie pour ta campagne. I pray for your campaign. Ça doit réussir. It must succeed. Ça doit réussir. It must succeed. Ça doit réussir. It must succeed. Comment? Je parle du Dieu des miracles. I talk of God of miracles. Un Dieu qui ne recule pas. God will never step back. Me met devant la mer rouge. Jésus n'a jamais reculé. Never step back. Comment? Il ne peut pas reculer. He can never step back. Enfoutement ou pas enfoutement. Jésus ne recule pas. Jesus never step back. Même si les gens te refusent. People refuse Jésus you. Ne te refusera Jesus jamais. Will never refuse you. L'ami fidèle. Faithful friend.